Salut Thomas, c'est Jacques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur American Fugitive et puis bah vous voyez, faut voter pour le maire. Bon alors faut, déjà on va travailler pour elle et puis bah ce qu'il faut faire là c'est détruire les panneaux. Détruire tous les panneaux publicitaires. Donc il va falloir trouver une petite caisse déjà. Mais pourquoi trouver une petite caisse? Attendez les gars. Attendez. On va appeler mon pote, il va me... Ah bien, on a ouvert pas mal de caisses. Ah ouais, c'est bon, tiens, je vais prendre celle-là. Alors, voilà, 100 mètres. Parfait. Ça fait plaisir. Et c'est pareil, il va falloir qu'on voie aussi par rapport aux points de compétence, les gars, parce que comme vous voyez, j'ai 15 points de compétence à prendre. Donc, bah attendez, on va faire ça tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Amélioration. Donc à chaque fois que je suis en galère avec ce sac, on va l'améliorer direct. Voilà, 3 points. Là c'est à combien? 4, 500. Ouais, alors attendez, ça c'est quoi? Commencer une partie avec un détecteur de métal qui bip à proximité des cachettes. On va le prendre, ça c'est quoi? Ah non, bah non, là j'ai tout cramé. J'ai tout cramé. Donc déjà, on est plutôt bien par rapport à ça. Maintenant, on va pouvoir aller détruire ces foutus panneaux publicitaires. Bon, après, il va falloir que je me prenne la ville en main. Une fois que j'aurai bien la ville en main, ce sera plus facile. Mais là, pour l'instant, bon, j'avoue que bon, je la connais pas encore. C'est un petit peu le bordel. C'est toi, là? Ah, tiens. Oh, merde, tiens. Ça y est, les keufs. La police, ils savent que je fous le bordel. Parlons les gars, parlons. Excusez-moi. Ah merde. Donc comme d'habitude les gars, ce qu'on fait, on se fait les missions de la personne qui est là. Parlons. Pardon mec. Et une fois qu'on a fini l'émission, qu'on aura fait tout ça, bah on ira sur le prochain. Comme d'hab. Panneau restant, c'est fini. Mission accomplie, acceptée. Nanana. Bougez pas, je reviens madame. Bon lui, je vais lui mettre une patate, je vais lui prendre ses affaires. Voilà, tranquille. Maintenant je vais pouvoir aller voir le maire. Voilà, allez on rentre. C'est bon. Bon, la destruction des panneaux a eu l'effet escompté. Prochaine étape, fracasser certaines de ces boîtes à journaux. D'accord, elle veut que je lui fracasse tout, lui, hein. D'accord. Ce sera pas trop évident que c'est vous le coupable. Ils me soupçonneront, mais ils n'auront pas de preuves. C'est une mort à petit feu, monsieur Riley. Une mort à petit feu. Il faut arrêter la presse. Détruire cette machine à journaux. Oh, il faut tout casser, en fait. Est-ce que l'ex-maire a ordonné le carnage des affiches de campagne? Ah ah, attention toi. Attention ma petite dame. Toi fait dodo, je l'ai endormi. Donc j'ai changé la caméra les gars, je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir. D'accord, donc le temps qu'elle se mette en place, et après voilà. C'est suivre par derrière. Ok, bon écoutez, on va bien voir. Si ça va pas, je remettrai l'autre caméra, mais vous voyez, ça tangue pas mal hein, quand même. Quoi qu'au moins, voilà, au moins on est pas trop mal. On suit la vue de la voiture, c'est plutôt sympathique. Encore deux et c'est fini les gars. Plus qu'un et c'est bon. Là si on veut une des caisses de police, c'est là. J'ai pas. Voilà, c'est fait. Parfait. Beau travail monsieur. Allez, j'ai entendu dire que Morgan détourne une partie de son personnel pour surveiller ses biens. Eh bah c'est cool. Bougez pas, je reviens ma petite dame. Vous êtes où là? Ah vous êtes là. Parfait. Juste à côté. Bon le 4x4 il commence à faire un peu la gueule mais bon, ça va. Il tient le choc. Alors qu'est-ce qu'elle veut elle encore? Ah monsieur Riley, je suis contente de vous voir. Nous avons une nouvelle mission pour vous. Qu'est-ce qu'elle? Vous vous demandez probablement à quoi sert tout ça. Je vais vous le dire.
Nous essayons de détourner l'attention de Morgan. Certaines personnes ont levé des fonds pour lui. Ah, et alors? Je n'ai pas moi-même besoin de ces fonds, mais je sais que les perdre serait un sérieux coup à son opération. Et vous voulez que je trouve le cash? Précisément, trouvez l'argent, rapportez-le au réparateur, il s'occupera du reste. D'accord. Fouiller la zone. D'accord. C'est quoi ça? C'est ça. Parfait. Qu'est-ce qui clignote là? J'ai vu, plus on se va là-bas, plus ça bip. Il y a un truc par là. Vous avez vu, il y a un truc par là. Ah, j'ai pas de pelle. Ah merde, j'ai pas de pelle. Là-dedans, on peut appeler qui? Je me rappelle plus. L'armurier, et lui, il a quoi? Ah, lui, il a que des armes. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. Au moins, on sait que voilà, on peut trouver des trucs. Enfin, maintenant, on a un détecteur de métaux, quoi. Ok, sympathique. Allez, là, sous la table. Parfait. Ouais, il y a encore des trucs. Hein. Cachette, prendre. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Livré au réparateur. Ouais, bon, écoute, j'arrive. J'arrive, mon potos, j'arrive. J'ai juste besoin d'une petite caisse. Donne-moi ta voiture, toi. Et j'arrive. Tiens, mon pote, le réparateur. Voilà, mission accomplie. Contribution nanana, parfait. Beau travail. J'arrive, madame. Bonjour, comment ça va bien? Morgan est plus en avance dans les sondages que je ne le voudrais. On l'a touché, c'est sûr. Mais il se remet beaucoup trop vite. Je pense que nous lui avons inspiré chez lui de la détermination. Ouais. Et pourquoi pas le frapper alors qu'il est encore à terre? Alors, quel est le plan? Il organise une collecte de fonds dans son domaine avant les élections pour essayer de compenser ses pertes. J'aimerais que vous le perturbiez avec un scandale. J'aimerais que vous lui livriez un colis. Assurez-vous d'être invisible. Nous ne voulons pas qu'un témoin signale un type suspect. Ouais, bah j'imagine, localiser le colis, placer le colis à la fête. Ramasser, pas de problème, vite fait. Hop là, on y va. C'est bien là. Placer le colis. Oh merde, 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 merde. Pardon, 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 pardon. Appeler les flics. Bon boulot. Bouge pas madame, bouge pas, t'énerve pas. Vous énervez pas madame, vous énervez pas. Faut juste que j'appelle la police. Hop, bonjour, police du comté de Red Rock. Bon, écoutez, je sais pas trop si je devrais faire ça, j'ai cru en lui, vous voyez. Excusez-moi, ce sont les affaires de la police. Très bien, parfait, écoutez, j'étais chez Monsieur Morgan plus tôt ce soir pour collecter des fonds pour son élection, mais je... J'ai toujours pensé que Morgan était un gentleman. Mais ils ont... Je ne sais pas. Quelques kilos de ce qu'on pourrait appeler une substance illicite. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas l'homme pour qui je pensais voter. Quelques kilos, vous dites?
Oui, monsieur, l'un d'eux m'a dit que c'était du lourd. Oh mon Dieu, je suis un bon chrétien. Merci pour le tuyau. On va immédiatement envoyer une voiture. Pensez-vous pouvoir rester en ligne? J'aurais besoin que vous répondiez à quelques questions. Oh non, je ne me laisserai pas entraîner là-dedans. Je ne peux pas permettre d'avoir mon nom associé à une histoire de drogue. Monsieur, je... Allez, salut. Voilà, ça devrait le faire. Ben voilà, ça c'est fait. Allez. Suivant. On va se barrer par là, nous, tranquillou, hein, les gars. Ah, d'accord. Oh, hey, monsieur l'agent. Ça va aller, non? C'est cinglé. Allez, on retourne voir la vieille. Bonjour, madame. Pourquoi cet endroit est-il si sombre? Oh, oui, il y a quelqu'un? Dring, dring. Oh. Ne dis pas un mot. Écoute-moi très attentivement. Le bâtiment est encerclé par la police. Vous devrez sortir de là très rapidement si vous voulez avoir l'espoir de vous échapper. Oh putain, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je vous ai dit de rien dire, putain. Madame le maire a été arrêtée. Oh merde! Trouvez un ami, tairez-vous, attendez les instructions. Et si vous vous faites attraper, ne mentionnez pas nos noms. C'est clair? On s'est jamais rencontrés. Oh, c'est la merde, les gars. Putain, j'ai pas le choix. Téléphone à Adouane, c'est mon seul ami. Téléphone à Adouane. Allez, Adouane, putain, décroche. Faut que je retourne voir Adouane. Il faut que je sorte de là. J'ai pas le temps. Ok les gars, bah écoutez, ça y est, je pense que là on a fait le tour avec Madame le maire. Et maintenant, bah on va retourner à nos anciens amours, je pense. Attendez, on va s'arrêter là. Hop là, on va mettre la carte. Dwayne est ici. Ah non, il a déménagé ici, Dwayne, alors. D'accord, il est plus sur l'ancienne carte. Non, il est parti de l'ancienne carte. D'accord, ok. Donc bah plutôt pas mal. Bon bah voilà les gars, bah écoutez, ça y est. On va aller voir Dwayne, on va aller voir un peu ce qu'il va nous dire. Je suis content de te voir, Will. Alors la forme, je sais qu'on ne s'est pas quitté sur de bonnes bases. Tu m'as sorti du petit train et en ce qui me concerne, nous sommes amis. Et ça me fait plaisir. Il va falloir que je fasse profil bas un moment. J'ai besoin de réfléchir, j'ai l'impression que les opportunités que je trouve sont toujours accompagnées de leur lot de problèmes. Ouais bah c'est clair mon frère. C'est bien vrai. J'essaie de maintenir l'entrepôt à flot. Tu sais comment c'est. J'ai contracté des prêts. Le contrat n'est pas le plus idéal. Tu peux deviner la suite. Oh Dwayne. Ouais, ça sent pas bon pour moi, Will. De quoi t'as besoin? T'es sérieux? Je sais que je te l'ai fait à l'envers avant et tout. J'ai dit que je devais faire profil bas pendant un moment. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'aider. C'est mieux que de s'ennuyer à mourir, non? Ah, je comprends, parfait. Je travaille sur une affaire qui pourrait m'aider à m'en sortir. C'est super. Tu m'aides, je t'aide, ça marche? Ouais, d'accord, allons-y. Alors voilà l'affaire. Comme je te dis, je suis dans le pétrin à cause des mecs qui m'ont prêté. Et il n'y a aucun moyen que je puisse la rembourser. Ils ne me laissent pas parler avec leur patron et ils ne me laissent pas m'expliquer. Sauf si eux ont volé une voiture. Ils disent que si je fais ça pour eux, ils effaceront la moitié de ma dette. On peut leur faire confiance? J'ai pas le choix, oui. Ouais, ça sent le traquenard, ça encore. Je sais pas où se trouve la voiture. J'ai gardé un œil dessus ces derniers jours. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller là-bas, la repeindre et la livrer au point de livraison. Bah voilà, les gars. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Vous voyez, on a retrouvé Dwayne. Et Dwayne, bah, il est encore dans une galère de thunes. Donc il va falloir encore lui voler des voitures pour lui. Bon, en attendant, on a fini l'émission avec le maire Hamilton. Pour l'instant, parce que là, c'est fait arrêter. Donc, bah écoutez, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, bah laissez le message dans les commentaires si ça vous a plu. Puis, on se retrouve dans une prochaine partie de moi. Portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.